Mesdames et messieurs, honorables invités, en vos rangs et grades respectifs, bonsoir et bienvenue au Radisson Blu Hotel, magnifique endroit qui a été sélectionné à juste titre pour célébrer les 12 ans d'existence et d'activité du groupe Phoenix Africa Partners. 12 années de professionnalisme dans le domaine de la gestion et de l'intermédiation. Toutes les entités du groupe sont représentées ce soir. Nous allons d'ailleurs, mesdames et messieurs, démarrer cette cérémonie par le représentant du pôle Phoenix Capital Management, qui n'est autre que son directeur général. Il vient ici nous présenter les activités de son entité. Merci, s'il vous plaît, d'accueillir avec des ovations Dr. Lucas Danhaut. Nous fêtons donc ce soir 12 ans du projet Phoenix. En réalité, nous célébrons la constance, la persévérance et la ténacité de Michel Abogwa. Il a apporté une contribution magnifique et visible au développement du secteur financier en Côte d'Ivoire, au niveau régional et du continent africain. Il compte beaucoup pour nous. Merci Michel. Merci à tous et très bonne soirée à notre compagnie. Nous voulons également remercier tous nos partenaires, banquiers, cabinets d'avocats et consultants qui nous assistent à travers leurs services, expertise et conseils dans l'exécution de notre mission. Je vous souhaite un très bon dîner et plein succès au groupe Phoenix. Merci. J'adresse mes vives et chaleureuses félicitations aux hommes et aux femmes qui étaient à l'origine de cette belle aventure de voir naître un groupe ivoirien que nous souhaitons voir grandir et prospérer à l'horizon 2020. Il est temps à présent, mesdames et messieurs, d'entendre le discours du champion de cette soirée, monsieur le président du groupe, monsieur Michel Abogwa, s'il vous plaît. Ces performances, messieurs, mesdames et messieurs, sont l'œuvre des équipes de professionnels et du personnel administratif des différentes compagnies du groupe, qui ont pris part à cette aventure à un moment ou à un autre. L'un des secrets de notre positionnement se trouve là, mesdames et messieurs. Je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance et mes sincères remerciements à tous ceux qui ont participé à cette aventure. J'ai eu beaucoup de plaisir à noter que certains étaient là, qui sont partis participer à d'autres aventures, mais qui restent de cœur avec Phoenix. Je voudrais particulièrement rendre hommage à un ami, un compagnon, un alter ego, c'est Lucas Danhaut. Lucas, je te remercie pour l'immense travail abattu à nos côtés. Je te remercie pour ta fidélité, ta disponibilité, ton brillant esprit et ta grande expérience. Merci d'avoir mis toutes ces qualités au service du rayonnement du groupe Phoenix Africa. Et au moment où tu prends ta retraite et tu te lances dans d'autres aventures, que bon vent t'accompagne, mais la porte n'est pas fermée pour toi. Tu as tout loisir pour revenir nous retrouver parce que ta place continue d'être là. Merci pour tout. Mesdames et messieurs, avant de clôturer mon adresse, je voudrais partager avec vous une réflexion qu'on a prêtée à feu le président Mandela, notre icône. Une réflexion qu'il aurait faite en réaction à une question qui lui a été posée par un ami au moment où il accédait à la magistrature suprême de la République sud-africaine. La question était la suivante. Madiba, après toutes les pires épreuves que tu as vécues, te voilà à la tête de la nation. Quels sont les sentiments qui t'habitent ? Après quelques minutes de silence, sa réponse est celle-là. Cher ami, ce sont des sentiments de satisfaction qui sont les miens au moment où j'interviens. Mais j'ai bien peur que cet état soit de courte de durée, de très courte durée. En effet, je viens d'atteindre le sommet de la colline que j'ai arpenté difficilement pour découvrir qu'il y avait encore devant moi une multitude de collines à arpenter pour atteindre nos objectifs. Oui, mesdames et messieurs, nous ne sommes qu'au début de cette aventure. Excellente soirée, bon dîner à tous. Merci. Merci.
ça se fête. Les serviettes de table, comme ça, toujours les serviettes de table, nous dit qu'on est bien, très bien. Nous, les serviettes de table. Petit malin.
dans la place.